What? Up. Bonsoir et bienvenue dans un monde où tranquillité survit. Le monde de Minecraft Sky Factory. Aujourd'hui, pas de machine compliquée. Aujourd'hui, je vais vous montrer une puissante quête. Pas du tout, c'est des quêtes normales. Et salut à tous, hein, je suis content de vous retrouver sur Minecraft. Et aujourd'hui, on va faire les quêtes. Alors, j'ai déjà coché ce qu'il me fallait. Créative active, turbine, ça c'est fait. 1000 et 10 000, c'est fait. 100 000, c'est pas fait. Et 1 million, encore moins, hein, évidemment. Parce que, tout simplement, parce que ma turbine, elle ne fait que 15 000. Et je suis très très loin des 100 000 et des 1 million. Alors bien que je peux encore l'augmenter de 1 de chaque côté, je doute arriver à 1 million assez facilement. Il va me falloir une quantité phénoménale de turbines. Et c'est pas pour toutes. Oh, les petits chevaux, ils sont... Oh, mais... Eh, bonjour. Regardez, il saute. Oui, et oui, il est content, le petit chevaux. Tu peux continuer à sauter, mec. Ah, voilà quelqu'un qui a compris. Bref, je suis content d'avoir des petits chevaux. Et oui, puisque, évidemment, ils pop. Et puisque nous avons éliminé les nocifs. Les petits poulets, hein. Et donc, maintenant, il y a une quantité d'entités assez raisonnable. Et ça pop, regardez, un petit mouton qui a pop ici. Un petit mouton qui va servir de sacrifice. Ça vous rappelle quelque chose? Du coup, c'est bien, mais j'en veux pas de ça. Bref, alors. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait ça comme quête. Et maintenant, on va aller voir le reste. Hop. Craft Power Generator, ça c'est fait. Use Pulverizer to automatically turn cobble to gravel. Donc, il va falloir automatiquement créer de la cobble. Non, du gravier grâce à de la cobble. Et pour ça, on va avoir besoin de pulvériseur. Et le pulvériseur, il se fait de plusieurs façons. Puisqu'il y a plusieurs pulvériseurs. Le basique, le hardened, le renforced et le résonant. Évidemment, les uns étant plus durs que les autres. Donc, il va me falloir pour ça une machine frame. On va faire la basique parce que, j'ai pas le temps de faire le reste. On s'en fout un peu. Et puis, le craft, il est pas si compliqué que ça non plus. Il va me falloir des basiques, puis de l'hardenette, puis etc., etc. Toujours des machine frame. Alors, pour ça, il va me falloir de la glace, des vitres, évidemment. Parce que, qu'est-ce que je vais faire avec de la glace? Tu ne crées pas une machine avec de la glace. Bref, il va me falloir une team gear qui se fait avec 4... non, pas du tout. Quoi? Je ne comprends rien. Bon, on va dire que, voilà. Chin. Ah, voilà. Donc, 4 chin et un iron au milieu. Ça nous fait notre team gear. Ensuite... hardened, renforced, on s'en fout. Le résonant, on s'en fout. Et le basique, c'est ce que je veux. Voilà, donc nous avons notre machine frame basique. Et il va me falloir maintenant des copper gear. Copper gear qui se font exactement comme le tin gear, mais avec du copper à la place du tin. Et je me suis raté, c'est pas grave. Hop, je me rate toujours. Le copper gear, il va m'en falloir 2. Ensuite, il va me falloir... de la redstone, reception coil, avec 2 redstone, 1 gold, c'est relativement facile à faire, et je me suis trompé, évidemment, parce que je suis un pénis, voilà, c'est dit, c'est fait, hop, ça c'est fait, ça, hop, c'est fait, nous avons notre pulvériseur, c'est magique, c'est magnifique, c'est les lois de la vie. Ouais, c'est une version remix des Chevaliers et Las Palais. du coup, on va peut-être le mettre ici, parce que je vais avoir... par ici, en fait. Je vais le mettre par ici, je vais le mettre quelque part.
histoire que le cobble qui passe là va se transformer directement en gravier quelque part par là. Mais comment je vais le placer, ça j'en sais rien. On va le placer... ici, pourquoi pas. Je changerai de place de toute façon plus tard. On verra ça après. Alors, comment ça marche? Déjà, je suppose qu'il va falloir de l'énergie. Et c'est exact, mon petit Jean-Mi. Ah oui, oui. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça va, Jean-Mi, bravo. Il va me falloir 48 000 ref. C'est beaucoup. Donc, on va aller chercher ça. En soi, il va me falloir des énergies. Voilà. Énergie. Ah, Energy, évidemment. 64, je sais pas si c'est suffisant. On va en prendre plus. Au pire, on remettra. C'est pas très grave. Hop, hop, hop. On descend. Je fais l'énergie. Ah ben, il y a de l'énergie là. Regardez. Regardez, il y a de l'énergie. C'est magique. Et du coup, on est à côté. Voilà, c'est ici. Hop. Par où je vais le mettre? Bah là, par en dessous. Allez, casse. Ça va être long. 8. C'est cassé. C'était long. Hein. Hop, hop. On descend ici, ici. Au pire, je bougerai hein, si ça gêne. Et l'énergie est ici. Bon, on va faire quelque chose de propre. Il y a déjà un fil, donc c'est pas du tout là que je voulais le mettre. Toi, je te récupère. Toi, je te récupère. Merci. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Hop, hop. Hop. Et hop. Voilà. On récupère celui-là. Qui ne me sert strictement à rien. Hein, à part avoir un pénis sur le câble. Donc, maintenant, nous avons de l'énergie. C'est magnifique. Il va me falloir, hop, ah ben, des transfer pipes. Du coup, je vais les mettre avec les transfer pipes. Que je dois avoir ça. Hop, 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 hop. Transfer pipe. J'en ai. C'est parfait. 58, ça suffira. Hop, voilà. Alors... là, il va falloir configurer ici en bleu. Donc, vous voyez que ici, en bleu, c'est ce qui va être reçu et pulvérisé. Alors, c'est pas en bleu. Voilà, là, c'est en bleu. Pourquoi ça ne marche pas? Je n'en sais rien. Eh, pourquoi tu ne vas pas marcher? Est-ce que lui, il est encore en train de se remplir? Pas du tout, il est pas du tout en train de se remplir. Alors pourquoi ça ne marche pas? Problématique tout ça. Ah! Ok, je ne sais pas pourquoi ça marchait pas, mais en tout cas ça marche. Et ça crée du gravier, c'est magique. Est-ce que j'ai un better barrel d'ailleurs? Ce serait cool que j'en ai un. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on va casser celui-là, voilà. Aucun... tant pis pour la déco. Regardez, il va y avoir un trou en plein milieu. Je vais faire mal au maniaque. C'est pas grave. Voilà. Hop, je vais le poser ici. Et ça fait du gravier, voilà, en quantité phénoménale. Et le sand ici... ah, et ça fait du sand aussi. Bon, bah, je vais faire un deuxième trou. Vas-y, c'est bon, j'ai compris. Allez, ici. Voilà. Histoire que ce soit bien, bien moche. Hop. On met un deuxième baril au-dessus. Voilà. Là, par contre, il va falloir le configurer. Donc, au-dessus, ça va être le jaune. Voilà, si tout se passe bien, ça monte. Du sand ici, du gravel ici, de la stone ici, c'est magique. Et j'aurais dû faire ça depuis le début. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors ça, c'est fait. Donc, use et pulvériseur, c'est fait. Use énergie conduite to power, c'est Vérole magique. Donc, utiliser les énergies conduites pour relier plusieurs machines, ça, c'est fait. Automatiser la ferme, ça c'est fait. Link, non under push,
to an under chest. Alors là, il va me falloir faire donc un under push. Under push. Un petit sac, c'est cool, ça va être pratique. Et je dois tout avoir, donc c'est nickel. Et les petits cochons qui pop en attendant. J'aimerais bien des fluides comme. Wow, 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 calme-toi. Hop. Donc ça, hop, est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout. Donc, du cuir, des blaze powder, de l'underpel et une wool. Et ça me fait un sac underpush. Très bien. Ensuite, il va me falloir... j'aurais dû rester. Un underchest. Et pas le vanilla. Hein. Il va me falloir un underchest de understorage qui se fait relativement facilement aussi. Hop. Donc, deux obsidiennes, un coffre... Une underperle et je suis pas sûr d'avoir un coffre. Donc on va faire un coffre. Hop. Voilà. Et j'ai mon under chest. C'est magnifique. Et on va regarder. Alors que je vous montre comment ça se passe. Est-ce que je peux pas le mettre par ici? Ça me sert un peu à rien pour l'instant en fait. Je vais en avoir besoin plus tard. Bon, je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc par exemple, je le pose là. Voilà, c'est très beau, c'est très joli. Et ici, c'est un under chest basique, un peu plus grand même. Et ici, nous avons notre under push. Voilà, qui ouvre l'under chest à distance. Donc, on peut le faire n'importe où, ça ouvre l'under chest. Et donc, on peut prendre ce qu'il faut là où il faut. Après, vous voyez trois trucs blancs au-dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est des codes couleurs, en fait. Vous prenez... Je dois avoir du colorant ici, voilà, par exemple, rouge et jaune, hein, les basiques. Vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. On va faire... regardez, attendez, déjà, on va poser... Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. On va poser une fence à l'intérieur, par exemple. On va mettre rouge et jaune, voilà. Rouge, blanc, jaune, les couleurs de la France. Comment ça, c'est pas les couleurs de la France? Bon, c'est pas grave. J'avais pas de bleu, hein. Alors, maintenant, si on l'ouvre, hop, il n'y a plus rien dedans. Bah, ne vous inquiétez pas, les objets n'ont pas disparu. Ils sont toujours dans l'ancien under chest. Blanc, blanc et blanc. Cependant, maintenant, si on fait un shift click, hop, vous voyez que les couleurs du bag ont changé, ça, en rouge, blanc et jaune. Et si on ouvre, il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien dans celui-là. Si on met de la torche et qu'on ouvre l'under push, il y a une torche. Voilà, c'est génial. Voilà. Hop. Alors, on va récupérer, parce que pour l'instant, blanc-blanc, ça me suffit. De la bonne mille. On va remettre aux couleurs du blanc. Ah oui, alors ça, c'est un bug graphique. Quand vous sélectionnez l'inventaire à partir de l'under push, ça bug. Donc hop, on remet blanc, on relie l'under truc et voilà. L'under truc. On casse l'under chest. Merci. Parce que je vais en avoir besoin plus tard, vous verrez pourquoi. Alors ensuite, donc link under push, c'est fait. Craft a chunk loader. Alors ça... je vais le faire, mais en soi, ça ne me sert à rien puisque tous les chunks sont loadés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait des tests et ça marche de partout. Bon, j'en ai pas besoin. Franchement, j'en ai pas besoin. Mais je vais le faire, un de ces quatre. Create an Unply Energy Stick System to Store Your Thing. Donc ça, c'est le ME contrôleur le ME storage que j'avais fait à l'épisode précédent. Enfin, avant la turbine. Vous savez, le truc bien chiant là à faire. Et ensuite, craft and use under carry. Alors ça va être important pour pouvoir miner en fait à l'intérieur de la Deep Dark. Puisque vous voyez que la Deep Dark, elle ne sert à rien, du moins pour l'instant. Et donc pour ça, il va me falloir un under carry. Hop. Et vous allez voir à quel point c'est important, enfin c'est très utile. Mais il y a beaucoup de craft. Hein. Alors d'abord, on va faire des under infused obsidienne qui se font avec de l'obsidienne et une under pearl. C'est relativement facile.
On va s'en faire plusieurs. Ouais, 24, allez, ça devrait le faire. Ou pas, j'en sais rien. Ensuite, il va me falloir des undercore qui se font avec du magical wood, des under infused obsidienne et une eye of under. Donc, les magical wood, ça se fait avec des enchanted books, une bibliothèque et une gold. Alors, déjà, je vais faire la bibliothèque tant qu'à faire. Hop, voilà, ça c'est fait. Tac, tac. Les Enchanted Book, je vais faire un assez facile, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Un book et une émeraude, ça fait une flim-flamme. On s'en fout de l'enchantement hein, à l'intérieur. C'est, tout ce qu'il faut, c'est des Enchanted Book. Donc on va en prendre, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien il m'en faut en fait. Donc je vais en prendre 4. Et s'il en faudra plus, ben, on en fera plus. Ah oui, il en faut beaucoup plus. N'importe quoi. Donc, hop. Donc, c'est celui-là. Alors, il m'en fallait 4. Hop, 8. 9, 10, 11, 12. En fait, il m'en faut tout. Hein. Voilà. Hop. Tout mon inventaire et ça ne suffira même pas. Donc ça, on en fait. Magical Wood, on a compris comment ça se faisait. Pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas. Hop, 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 on va le faire à mano. Donc, bon, ça va être relativement chiant. Tac, tac, du gold. Gold. Voilà, hop. Et le book, bookshelf, ah, il va m'en falloir plusieurs aussi. Oh, 17, je ne savais pas. D'accord. Autant pour moi. Bon, bah, écoutez. Est-ce que je peux les mettre? Ouais, j'ai la place. Autant pour moi, je ne savais même pas. Bah, écoutez. J'ai fait tout ça pour rien, c'est très bien. Pourquoi tu ne vas pas t'enlever? Bref. Alors, hop, ça c'est fait. L'undercore, on doit pouvoir le faire. Non, il me manque quelque chose. Il me manque les under infuseurs, j'en ai. Hein. Pourquoi il veut pas me les prendre? Ok. L'œil of under, il va m'en falloir. Je vais en faire 4. Hop. Va savoir pourquoi ça me met les magical wood ici alors que j'ai besoin de ça. Voilà. Donc il m'en faut 2, si j'ai bien compris. Voilà, 2. Ensuite, il me faut des under thermic pump qui se font avec water bucket, lava bucket, eye of under, une pickaxe que je n'ai pas. Donc on va prendre la pickaxe, hop, on va faire une pickaxe, merci. Il m'en faut 2. T'es sérieux, j'ai pas de stick. Oh là là. Allez, voilà, hop. Je sais pas faire un stick. Ok, très bien. Wood. Merci de me faire un stick. Oui, bah j'ai fait un stack. Allez, voilà. Très bien. Hop. Je vais tout remettre ça ici. Hop, comme ça. Ça va pouvoir me le craft rapidement. Hop. Donc, bon, je vais avoir besoin d'une diamond axe, donc je vais la faire. Si tu veux. Allez, vas-y. M'a gavé. Voilà la diamond axe, on va la mettre là. Hop, on a dit ici qu'il va me falloir une pickaxe. Hop, c'est bon. Hop, est-ce que j'ai tout? J'ai tout. Tac. Et maintenant, oh, ça m'a laissé la lava bucket. Tiens, bizarre. Ok, j'avais une iron. Bon, on va aller chercher de l'eau. Je sais pas pourquoi ça m'a laissé la lava baguette, ça m'a dédoublé le seau même. Très bien. Si tu veux, hop, on prend de l'eau et on y retourne. Tac, 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 tac. Bijou, j'y voudrais poser l'eau. Et merci à toi.
Donc nous avons notre under et maintenant il va me rester plus que le Diamond Hatred Computational Matrix, voilà, avec mon anglais parfait. Et pour ça il va me falloir du Burn Quartz qui se fait en chauffant du quartz. C'est magnifique, c'est facile à faire. Est-ce que d'ailleurs... je n'ai pas de quartz si... Est-ce qu'on peut le faire autrement? Bon. Allez, quartz. Ah, mais si, j'en ai. Bon, on va les faire chauffer, allez. Ça va être rapide. Et voilà, ça nous fait du burn quartz. Attention à mettre en furnace mode et pas faire comme moi, sinon ça vous fait du fuseur de quartz. Et c'est pas ce qu'on veut, hein. On s'en bat les couilles du fuseur de quartz. Hop, nous avons nos burn quartz et nous pouvons retourner là-bas. D'ailleurs, je peux me TP, je sais pas pourquoi je me TP pas, là, je suis relou. Eh, bonjour, toi. Hop. Ici, c'est bon. Raté. Hop, hop, hop. Là, on a ça, on a ça, on a le diamant. On a notre diamant. Magnifique. Hop. On range tout, ça, on quitte. Hop. Tout ça, j'en ai rien à foutre. Et là, j'ai tout, à part la sapling. Non, je l'ai, la sapling, en plus. Et nous avons notre Ender Quarry. Magnifique. Bon, j'ai du surplus, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. De toute façon, les ressources sont relativement illimitées ici. Et donc, on va aller dans le Deep Dark. Malheureusement, le temps passe à une vitesse affolante. Et je vais devoir vous laisser ici. Pourquoi? Parce que ça fait 20 minutes et que vous me faites chier avec vos... Ah, vos vidéos, elles sont trop longues. Non, je rigole, ça va. Je suis très bien, 20 minutes, c'est très bien. Et en tout cas, on va se laisser ici dans la room de TP. Voilà, magnifique room de TP. Avec ses trous de nez blancs en bas, noirs en haut. Merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tous, bye bye.